Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Voilà encore une fois un exercice de navigation aérienne. Donc, on va commencer. C'est pour s'entraîner à l'utilisation du computer. Voilà le computer. Donc, voilà les données. Donc, on vous donne le cap vrai, c'est 51. La vitesse propre, 150 nœuds. Et on a le vent de direction 350 degrés de puissance, sa vitesse 30 nœuds. Donc on cherche la dérive X, la vitesse sol et la route ray. Donc on va commencer. Tout d'abord, donc je vais représenter le vent. On commence par représenter le vent. Donc voilà. Le trou, ici c'est le trou index, donc je cherche 350, la direction du vent, voilà. Ensuite je vais marquer sa puissance, c'est 30. Je fixe l'œil sur n'importe quelle échelle ici au centre. Voilà, donc je vais marquer sa puissance, c'est 30, mais je vais le mettre en bas cette fois-ci. Là, je vais un petit point ici. Donc, ça c'est le vent. Ensuite, j'ai le cap vrai, donc 51. Donc, je tourne la rose des vents jusqu'au 51. Voilà, 51. Et je positionne donc. J'ai la vitesse propre 150. Donc l'œil central, je dois glisser jusqu'à 150. Voilà. Et je peux lire donc la vitesse sol. Voilà la vitesse sol. Donc à partir de ce point, j'ai la vitesse sol qui est de 138. Donc, vitesse sol 138. Je peux écrire ce premier résultat. Donc, vitesse sol 138 nœuds. La dérive X, donc. Voilà X, la dérive, donc ça c'est 10. 10 et une graduation, donc ça sera plus 11. X c'est plus 11. Et la route vraie, donc la route vraie, voilà donc le trou index ici. Donc plus 11, donc voilà. J'ai 10 ici, 11, voilà 11, ça donne 62. La route vraie, c'est 62. Voilà le résultat final. Voilà, c'était tout. Donc aujourd'hui, à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut.